Insiste sur le fait que, avec le, le printemps, avec le beau temps qui revient, les chars peuvent se déployer. L'ennemi tente de percer nos défenses à l'aide de dizaines de chars et de véhicules blindés de transport de troupes. C'est facilité par le temps chaud et sec qui a rendu la plupart des zones ouvertes accessibles aux chars. D'où viennent ces chars si nombreux bah Écoutez, alors là, euh, je ne sais pas, honnêtement, je ne vois pas bien d'où ils peuvent venir. Euh, vous parlez des Russes là ou des Israéliens Les Ukrainiens. Des Russes, bien sûr. Des Russes. Alors euh, bon, je pense qu'ils sont livrés par euh, par leurs amis, leurs alliés. Enfin, je mmh. pense que les Chinois n'y sont pas pour rien, malgré qu'ils disent toujours qu'ils sont pour la paix. Moi, j'y crois qu'à moitié. Euh, vous savez, il y a les attitudes, il y a les apparences et la réalité toujours dans ces pays-là. Donc, euh, je pense qu'il y a des chars qui viennent peut-être de la Corée du Nord, qui viennent peut-être de, de l'Iran. Et peut-être d'ailleurs, mais euh, le problème, c'est que nous, nous sommes à court de char pour les Ukrainiens. C'est ça qui est terrible. Salut les amis. Merci d'être fidèles. Petite surprise, une vidéo conflit mondial 83 venant deux ou trois jours après la 82. Et puis une vidéo qui commence naturellement par le générique avec la présence de notre chère Maria Zakharova, c'est un, une plaisanterie privée, un « private joke » comme disent les anglo-saxons, donc euh, j'arrive toujours à trouver des photos, des photos originales qu'on n'a pas vues jusqu'à présent, donc ça nous permet euh, de faire le tour des tenues extrêmement élégantes de Madame Zakharova, et de constater, parce qu'en général les photos sont, sont prises sur son site Telegram, euh, qu'elle est un petit peu euh, narcissique, elle aussi, elle n'est pas la seule dans ce cas-là, et en tout cas, euh, c'est euh, je veux dire, histoire de donner un petit peu de légèreté au travail que nous faisons. Alors, celle qui ne risque pas d'amener de la légèreté, c'est la madame Hélène Blanc, qui était interrogée par euh, Rochebin, et euh, soi-disant spécialiste de l'URSS et de la Russie, qui a travaillé au CNRS et dont on constate qu'elle est totalement analphabète. C'est effarant. On lui demande d'où viennent les chars, mais chacun sait qu'il y a une industrie euh, militaire ancienne d'abord en URSS et, et, et maintenant en Russie, qu'il euh, y a une tradition des chars, le fameux T-34 de la Deuxième Guerre mondiale, et tous ceux qui ont suivi. Il y a aujourd'hui le T-90 et puis le T-14 Armata, euh, qu'on n'a pas encore vu sur, euh, sur le terrain parce qu'il euh, euh, est euh, hyper technologique, et donc on, euh, je crois que l'état-major euh, russe pense que ce n'est pas encore le moment de le mettre sur le terrain, mais moyennant quoi cette personne vous dit... Ah ben non, euh, je, je ne sais pas d'abord d'où ils viennent, ces chars, euh, euh, ça doit être les méchants chinois, ça doit être Kim Jong-un qui leur donne. Mais enfin, on arrive à un niveau. Alors, pourquoi est-ce que je vous l'ai mis, cette, cette catastrophe cette, de, de la femme crapaud, comme l'appelle un, un, un très méchant? Euh, parce que... Elle illustre cette vidéo la nécessité du travail que nous avons entrepris depuis maintenant deux ans, qui est un travail de réinformation. Parce que la propagande est tellement inepte, tellement éloignée du réel, tellement partiale, euh, bah, il nous a semblé qu'il était nécessaire de faire un petit travail prophylactique. Et c'est à ça que sert euh, cette chaîne. Et puis également le, le, le travail que je fais sur euh, Twitter, le travail du blog auquel je vous invite. Comme à chaque fois, à, euh, à vous abonner. Alors, euh, j'ai acquis euh, aujourd'hui, oui, oui, c'est aujourd'hui, un, un, un statut. J'ai eu ma troisième décoration euh, dans la presse système. J'avais eu dans le canard enchaîné euh, la qualification d'idiot utile de Vladimir Poutine déjà il y a un moment avec Eric, et, avec Eric Dénéché, d'ailleurs puis d'autres. Je crois que c'était la bande des, des fax, fact checkistes comme je les appelle. Euh, qui euh, avait euh, obtenu ce service de la part du canard enchaîné, qui n'est plus ce qu'il a été dans le passé. C'était mieux avant, le canard enchaîné, assez largement, c'est devenu, comme ses, comme ses concurrents Mediapart et autres, où Charlie Hebdo s'est devenu un petit organe euh, euh, atlantiste, voire néo-conservateur. Alors, euh, ensuite, il y a eu euh, la qualification de capitulaire. Par les petits domestiques de Kretzinski, qui est le propriétaire de Marianne, et aujourd'hui dans Libération. Alors pourquoi Libération m'a cité Parce que euh, j'ai euh, fait un tweet, je suis intervenu après que Stéphane Séjourné et euh, fait le tour des plateaux pour dire Martial, j'ai convoqué l'ambassadeur d'Iran. Alors, j'ai regardé, j'ai essayé de voir ce qu'il en était, et j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'ambassadeur d'Iran. Je vais revenir sur le détail. Et donc, j'en je, ai fait état, j'ai dit, bon, ben voilà, une fois de plus, euh, euh, ce, ce gars qui n'a rien à faire euh, à la tête du ministère des Affaires étrangères a encore commis une bévue. Mais surtout, mon tweet était de dénoncer le double standard. Le double standard, c'est-à-dire qu'on convoque l'ambassadeur d'Iran mais on s'est bien gardé de convoquer l'ambassadeur d'Israël après que cet État ait euh, violé la Convention de Vienne sur la protection des locaux diplomatiques et commis par conséquent un crime de guerre euh, et que euh, l'Iran n'ait fait que riposter, quoi qu'on pense, d'Israël ou de l'Iran. Euh, L'Iran était conforme au droit international, article 51 de la Charte des Nations Unies mais nous après avoir protégé Israël de la volée de missiles envoyés par l'Iran pourquoi pas ça je, je veux dire c'est une décision euh, euh, souveraine de la France je, je pense qu'on ferait bien d'être moins engagé dans le soutien d'Israël et surtout d'être moins engagé en ne convoquant pas l'ambassadeur d'Israël et en refusant l'inscription à l'ordre du jour du Conseil de sécurité d'une euh, 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 audience à propos de euh, cette attaque de, euh, du consulat iranien qui c'était l'ambassade d'Iran dans un pays tiers. C'est-à-dire qu'il y a une double agression. C'est un casus belli en droit international. Israël a déclaré la guerre à l'Iran à cette occasion et nous, on n'a rien à dire. Mais quand l'Iran riposte dans son bon droit, alors, là, on convoque, de façon martiale, l'ambassadeur. alors, sur cet ambassadeur, effectivement, il y a eu une grande confusion parce que malgré euh, toutes les recherches, on constate qu'aujourd'hui, l'ambassade d'iran est représentée par un chargé d'affaires parce que le, euh, l'ambassadeur précédent est parti en 2022. il avait été nommé en 2019, je crois, il est parti en 2022. et aujourd'hui, euh, il y a un nouveau qui vient d'être nommé. il y a quelques jours, il a été nommé. il y a quelques jours, il a transmis euh, des copies de ces lettres de créance, mais elles doivent être remises au président de la République. En bon juriste, moi, je considère, je considère que euh, sa mission, avec toutes les prérogatives particulières et les privilèges qui y sont attachés, ne commence, et ça c'est le droit qui le dit, ne commence qu'à partir du moment où ces lettres de créance ont été remises au chef de l'État. Donc il y aura une audience, elle a peut-être eu lieu depuis d'ailleurs, parce qu'il y a eu pas mal de confusion, en moyennant quoi euh, euh, L'information le, 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 selon laquelle il n'y avait pas d'ambassadeur d'Iran a circulé partout et a beaucoup chagriné euh, notre ami Stéphane ces journées. donc Donc, est venu dire les gens qui disent ça sont euh, euh, des agents étrangers. Oui, c'est ça. Bon, <laughs> donc moi, caroline Gallegueros et d'autres, on est euh, effectivement des agents. Euh, euh, désaffidé, désenturbanés de Téhéran et euh, il a dit que il allait euh, mettre, il fallait mener le combat et que il entendait bien mettre fin à euh, cette désinformation, à ces désinformations. Et comme d'habitude revient le thème, la censure, la censure, la censure. Comme ils sont en difficulté politique, euh, le seul moyen pour eux, de réagir, c'est d'empêcher une parole libre qui vient les critiquer. La critique du macronisme est considérée comme étant le fruit d'une intervention étrangère. C'est assez extraordinaire. J'espère que euh, on arrivera à s'opposer à ça, mais c'est une situation qui est extrêmement dangereuse. J'avais deux trois petites choses que j'entendais vous dire, donc euh, voilà. Euh, je, je, on va parler aujourd'hui. Avec Alexandre, euh, des thèmes qui sont euh, dans le sommaire pour essayer de faire un point un petit peu sur des questions qui sont des questions brûlantes. Alors, euh, avec, euh, avec Alexandre euh, et History Legends, on va faire d'autres partenariats avec euh, euh, des présentations qui seront peut-être un peu plus proches de ce qu'il fait euh, en anglais. Merci à lui d'être de, 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 d'accord pour cette coopération. Euh, J'espère toujours le retour de notre cher euh, général Alcazar. Ceux qui suivent bien, ceux qui suivent bien euh, savent à, très bien à qui je fais allusion. Et euh, cette semaine également, euh, je vais faire un entretien. Je vais avoir un entretien jeudi avec Eric Branca. Alors Eric Branca, c'est un, un historien qui a beaucoup écrit sur les rapports entre euh, la France et les États-Unis. Alors, je recommande deux livres et lorsque nous allons faire l'enregistrement, j'y reviendrai. C'est le livre sur les rapports de De Gaulle et des États-Unis qui s'appelle l'ami américain. Ça commence pendant la deuxième guerre mondiale. C'est passionnant, c'est tout à fait passionnant et surtout ça en dit long. Et puis un autre qui s'appelle l'aide léopard et qui montre bien comment la Grande-Bretagne s'est comportée entre la première guerre mondiale et la deuxième. Elle a sauvé l'honneur et surtout elle a sauvé, euh, je pense, euh, euh, l'Europe le, 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 euh, en résistant comme elle l'a fait. Mais ensuite, ce sont les efforts soviétiques euh, qui ont été euh, majeurs et décisifs et, naturellement, l'intervention américaine. Mais ce livre est très intéressant pour montrer un petit peu quelle a été la stratégie de la Grande-Bretagne et la stratégie anglo-saxonne. Tout ça... Euh, éclaire euh, ce qui se passe aujourd'hui. Et euh, d'ailleurs, pour revenir à la France, Éric Branca vient de sortir un livre euh, dont on parlera bien évidemment jeudi sur euh, la Quatrième République et la façon dont, après la Deuxième Guerre mondiale, cette, ce personnel politique euh, s'est comporté. S'est comporté vis-à-vis -vis des, des États-Unis et comment il a contribué à euh, finalement vassaliser la France Jusqu'à l'arrivée du général de Gaulle, qui avait repris naturellement euh, euh, une trajectoire qui était une trajectoire d'indépendance. Voilà, je suis un peu long sur la présentation de Branca, mais c'était un peu pour, euh, pour vous donner envie de, de suivre cette vidéo quand elle sera publiée. Alors, un dernier mot concernant euh, le soutien. Euh, Ce n'est pas un sujet que j'adore ad euh, euh, aborder. Alors,. Euh, quelques petites précisions. D'abord, j'insiste à nouveau, euh, ces vidéos ne sont pas monétisées. Je sais qu'il y a des gens, des influenceurs, on les appelle comme ça, ou d'autres, qui font parfois un super boulot dans différents domaines euh, et qui, euh, qui vivent pour certains ou qui ont monté euh, des projets, qui ont des projets, euh, une dimension économique. Euh, pour ce qui me concerne, ce n'est pas ça. Il y a un un objectif militant. Je, je, je ne, bien évidemment, je ne vis pas de, de, de cette chaîne. J'ai le privilège d'avoir d'autres sources de, de, de revenus, et en particulier celui de ma retraite d'avocat. Et donc, lorsque je sollicite votre soutien, c'est un soutien matériel qui permet de faire vivre cette chaîne. Donc, comme je l'ai dit, il y a des sous-traitances qu'il va falloir envisager, il y a de l'achat de matériel et du renouvellement de celui-ci, et et plus récemment, il y a la nécessité d'un accompagnement informatique, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui assure la sécurité, la maintenance, bien sûr, parce que euh, l'informatique, ça évolue, on est confronté à des accidents, parfois peut-être malveillants, c'est possible. Et. Euh, <coughs> Il y a la sécurité pour ne pas être piraté euh, euh, qui est également très importante. Donc je, je vais passer à un, un contrat d'assistance euh, qui me donnera euh, bah, plus, de, plus de sécurité et plus de tranquillité. Parce que quand vous êtes lancé dans la réalisation d'une vidéo ou d'un projet et que vous butez sur un problème informatique, c'est l'horreur. Je dois dire que c'est effectivement euh, 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 extrêmement pénible et surtout c'est très très chronophage. C'est très chronophage. Euh, je, je vous l'ai déjà dit, j'ai eu peut-être les yeux plus gros que le ventre, mais je ne veux pas arrêter. Hein. Je ne vais pas arrêter. L'action moi me convient et m'est nécessaire, donc je vais poursuivre, et pas seulement sur les vidéos, mais clairement euh, il va falloir que j'organise un petit peu le temps. Et euh, ces soutiens dont je parle, ces soutiens matériels me permettent finalement de mettre en place des coopérations qui me font et qui me feront gagner du temps pour être fidèle au poste. Voilà. Bien, et bien écoutez, merci de m'avoir écouté. Euh, je vous souhaite une bonne euh, vidéo et je vous dis donc à euh, bah, très bientôt, ce sera ou jeudi ou vendredi lorsque je publierai l'entretien avec Eric Branca, mais tout de suite après le week-end prochain, on reviendra sur le militaire. À bientôt Bonjour, bonjour les amis, bonjour à tous les amis fidèles de cette petite chaîne. Aujourd'hui, un invité d'une grosse chaîne, c'est l'ami Alexandre Robert, euh, que je taquine, qui fait un boulot formidable depuis le début euh, sur sa chaîne qui s'appelle History Legends. Je prononce assez mal, je ne parle pas l'anglais, au contraire de lui. Et donc, euh, il, il fait un boulot de réinformation qui est absolument sensationnel. Et euh, on a le plaisir d'avoir le contact avec lui. Euh, et aujourd'hui, il a accepté amicalement de venir nous donner quelques précisions. Alors, sa dernière vidéo, euh, je vous avais dit dans la précédente qu'il fallait aller la voir. Euh, ceux qui ne l'ont pas fait, ben, je vous y envoie quand même. Et je voulais commencer par là, euh, lui euh, demander de compléter peut-être un peu euh, cette euh, situation, ce diagnostic qu'il fait d'une armée ukrainienne qui semble quand même en grande difficulté. Voilà. Euh, donc, euh, Alexandre, comment va, euh, comment s'appelle l'affût C'est ça. Hein <laughs> Déjà, merci, Régis, pour cette invitation. Et merci de, de faire la promotion de toutes mes vidéos. <laughs> Absolument. Donc, en ce qui concerne l'armée ukrainienne, donc, ils, ont, ils ont lancé cette nouvelle loi sur la mobilisation. Donc, en fait, tu pourras en parler éventuellement vu euh, tes compétences euh, dans le domaine. Donc, cette loi, c'est... L'objectif serait de recruter 500 000 personnes, 500 000 hommes ukrainiens pour... Pour euh, renforcer le front, on pourrait dire remplacer les pertes, mais ça, c'est interdit d'en parler. Donc, on va juste dire pour renforcer les troupes au front. Maintenant, ce que je j'ai fait une vidéo sur le sujet comme Régis euh, l'a dit. Et si je peux synthétiser ça en, en quelques mots. L'Ukraine a déjà mobilisé beaucoup d'hommes en 2023. Maintenant, c'est une nouvelle vague de mobilisation. Le problème, c'est mobiliser qui et où. L'Ukraine, avant l'invasion euh, russe, avait environ 11 millions d'hommes dans le pays. Hommes en état de se battre. Maintenant, beaucoup d'hommes sont soit en train de travailler, invalides, soit déjà au front d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, Zelensky parle de 880 000 hommes au front. Boudanov, lui, parle plutôt de 1,1 million. Donc, même les Ukrainiens ne sont pas vraiment sûrs de combien d'hommes sont, sont au front. Et le plus gros problème, c'est qu'une grande partie de la population s'est barrée du pays, si on peut dire ça comme ça, se sont échappés. Maintenant, ce qui est étrange, c'est que selon la loi martiale qui a été imposée, au début de la guerre, aucun homme entre 18 et 64 ans n'a le droit de quitter le territoire national. Pourtant, en novembre 2023, la BBC parlait de 600 000 hommes ukrainiens à l'étranger. Et maintenant, selon les journaux ukrainiens, on parlerait de 1 million, dont 800 000 en Europe. C'est énorme. Donc, ce sont 1 million d'hommes qui ont pu passer la frontière. Et donc, la police ukrainienne, les gardes frontières, des fois, ils aiment, ils aiment bien faire des, des campagnes de propagande en montrant certaines personnes qu'ils ont arrêtées à la frontière. Apparemment, ça coûte 10 000 euros le passage, souvent par la Pologne ou la Roumanie. Mais malgré ça, on a quand même un million d'hommes qui ont pu partir à l'étranger, ce qui n'aurait pas dû être possible. Donc maintenant, l'Ukraine se trouve dans une situation où elle ne sait plus qui mobiliser. C'est euh, embêtant. L'objectif, ça serait de, mobili de, de mobiliser les hommes qui n'ont pas d'emploi, qui ne sont pas dans l'armée, qui ne payent pas d'impôts, euh, les sortes de parasites qu'on pourrait dire. Donc, qui se cachent. Donc, c'est pour ça qu'il y a des, des recruteurs militaires qui se promènent dans toutes les villes et villages du pays pour essayer de demander les papiers à, à tous ces hommes-là pour savoir ce qu'ils ont vraiment une raison de ne pas être au front. Donc il y a toute une génération d'hommes qui ne quittent pas la maison depuis maintenant euh, presque deux ans. C'est très compliqué pour l'Ukraine parce qu'on a aussi appris, encore une fois, selon les sources occidentales et ukrainiennes, ce ne sont même pas les sources russes qui en parlent, ce sont des journaux français, anglais, d'Europe de l'Ouest, disaient que seulement 8% de la population masculine de la ville de Kiev a été mobilisée, tandis que... Dans, le, dans la région de Zaporizhia, on parle plutôt de 40%. C'est à vérifier, mais même les Ukrainiens commencent à se plaindre que la, mobilis la mobilisation affecte principalement les classes les plus pauvres du pays. Évidemment, quand on prend en compte toute la corruption de ceux qui ont pu se sortir du pays sûrement en payant les gardes frontières ou la police, on, on, on se rend très vite compte que plus tu as de moyens plus tu peux payer euh, un billet de, de je sais pas comment on peut dire ça pour ne pas être envoyé au front donc ce sont les classes les plus pauvres qui ramassent euh, le gouvernement ramasse les classes les plus pauvres pour les envoyer au front ceux qui sont trop pauvres pour payer le bakchich donc c'est la solution ah j'ai failli oublier même dans l'armée ukrainienne elle-même si tu es recruté au front, tu peux payer pour ne pas être un envoyé dans les tranchées. C'est-à-dire que tu peux payer pour être relégué à l'arrière, un peu plus loin du front. Donc c'est toute une industrie. L'expression française qui date, donc, je crois, de la Première Guerre mondiale, c'est pour être embusqué. Voilà, un embusqué. Voilà. embusqué. Voilà. Donc il donc y, y a toute une, une armée de ces embusqués qui, qui payent des qui payent pour ne pas être envoyés au casse-pipe Et donc l'armée ukrainienne, le, le gros problème en ce moment, c'est qu'ils n'ont plus d'infanterie, n'ont plus de fantassins pour être dans les tranchées. Évidemment, tout le monde sait le nombre de pertes qu'il y a dans cette position, donc tout le monde essaye d'éviter comme, comme ils le peuvent cette situation. Donc l'Ukraine a un problème de, de troupes, mais pas un problème pour être dans l'armée nécessairement, mais ils ont besoin de, de soldats dans les tranchées. Alors... Là-dessus, effectivement, c'est comme d'habitude, les plus pauvres, ça rend les déclarations, j'ai vu passer des déclarations d'un ancien sénateur américain, je ne parle même pas de Graham disant, mais on s'en fiche, quoi que, que les Ukrainiens meurent, si je la retrouve, ben tiens, je la mettrai, euh, ouais, du ouais. moment qu'ils continue à affaiblir la Russie, il n'y a que ça qui nous intéresse, qui est oh, assez insupportable, ça... et comme d'habitude... Comme d'habitude, c'est les couches les plus pauvres. Hein, on ouais. sait très bien ce qui s'est passé au moment de la guerre du Vietnam. C'est la classe ouvrière qu'on a envoyée là-bas. Euh, ah ouais. et, et, et donc, euh, les couches moyennes étudiantes s'en sont tirées. Alors, il y a une particularité quand même. Je voudrais avoir ton avis là-dessus. Euh, la loi sur la mobilisation qui euh, a, a été laborieuse il a fallu l'adopter ouais. la discuter elle était refusée à euh, abaisser l'âge de la conscription de 27 à 25 ans et ça ça m'étonne ouais. parce, que, parce que moi pour avoir connu l'armée française de conscription, euh, L'appel sous les drapeaux, c'était 18 ans. Après, il y avait les surcitaires, dont j'ai fait partie, mais euh, pour pouvoir faire ses études, mais c'était 18 ans. La mobilisation se faisait à cet âge-là. Euh, et effectivement, entre 18 et 25 ou 18 et 27, c'est ce qu'on appelle la force de l'âge. Euh, ça vient d'où cette, cette particularité qui faisait que la moyenne d'âge. De l'armée ukrainienne était très élevé. À un moment, on dépassait les 40, les 40 ans. Quoi. Est... Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils mobilisent si tard très, très bonne question. Donc, l'objectif principal était de préserver la nation, donc le futur de la nation, c'est-à-dire les, les plus jeunes, de les protéger, c'est-à-dire que qu'on voulait éviter qu'il y ait trop de pertes dans cette classe, car si les jeunes tombent au front, il n'y aura pas de prochaine génération ukrainienne de toute façon. Donc, c'était un des problèmes d'ailleurs en France après la Première Guerre mondiale. Il y a eu une baisse drastique de la natalité, vu du fait y a un million d'hommes ne sont pas retournés euh, du front. Donc, l'Ukraine voulait protéger cette classe-là. À moins que les jeunes eux-mêmes aillent se porter volontaires, ils n'étaient pas sujets à cette mobilisation. Maintenant, par contre, la mobilisation de 27 à 25 ans, mais il est très possible qu'on abaisse ça à 18 ans très bientôt aussi. Donc c'est une des clauses possibilité de, de baisser ça à 18. Par contre, les étudiants pour l'instant sont encore protégés. Donc on parlerait des jeunes entre 18 et 25 ans qui ne sont pas aux études. Bon. Euh, le fait de baisser de 27 à 25 ans amènerait un surplus de 400 000 hommes qui pourraient être mobilisés. Donc c'est quand même assez significatif. Mais encore une fois, le, le problème n'est pas là. C'est-à-dire que l'Ukraine a des lois, l'Ukraine a des... On va dire des principes en haut de la hiérarchie qui, qui, me, qui paraissent bien jusqu'au moment où ils sont appliqués à une population qui est habituée au pot de vin et à soudoyer euh, de, des services à gauche à droite. C'est-à-dire que dès qu'on fait appel à la classe de 25, 26, 27 ans, comme par hasard, il y aura beaucoup plus de gens qui vont encore une fois essayer de s'échapper essayer de payer des milliers d'euros pour se dire, bon, je paye 10 000 euros, c'est un investissement sur ma vie, au lieu d'aller dans l'armée. Donc, encore une fois, les pauvres qui n'arrivent pas à soudoyer les autorités vont être parmi les premiers à être envoyés au front. Donc, c'est principalement pour protéger cette classe la plus jeune du pays. Maintenant, en ce qui concerne l'âge, l'âge moyen en ce moment, c'est 43 ans des, des mobilisés. Mais les Russes avaient fait la même chose. Donc, il ne faut pas oublier que les Russes aussi, l'âge moyen des hommes qui ont été mobilisés était de 36 ans environ en 2022. Encore une fois, pour protéger les plus jeunes. Donc, on envoie au front des hommes qui ont déjà eu des enfants. En gros, c'était l'idée. Mais aussi parce que cette génération qui a la quarantaine aujourd'hui, donc qui est née dans les dernières années avant l'indépendance, est la, la, la génération la plus nombreuse en Ukraine. Donc, c est, c est... il y a eu une chute drastique de la natalité après l'indépendance et aussi en raison d'une forte émigration en Europe, en Amérique du Nord. Donc, cette génération de 40 ans et plus est vraiment la plus nombreuse. Donc, euh, c'est normal qu'on mobilise principalement cette tranche d'âge. Alors, euh, dans la vidéo précédente, j'avais interviewé, euh, euh, interrogé le général Pinatel, euh, qui est d'une autre, toute autre génération. Et euh, je lui ai posé la question de savoir, euh, pour former un soldat, combien de temps minimum, et pour former un sous-officier, parce que sans encadrement, comment est-ce qu'on fait combattre les hommes, euh, il fallait compter un an. Bon, mm -hmm. donc ça veut dire que euh, là, on mobilise, mais il y a au moins six mois de formation. Au moins six mois de formation, ou ça déjà, parce que dans un pays extrêmement exposé, alors on peut envoyer 30 000 euh, euh, personnes en France ou euh, en Grande-Bretagne, je crois que c'est ce qui s'est passé, mais il mais y, y a un besoin, on ne peut pas envoyer ça directement sur le front, où il y a des trous, tu viens de nous le dire, puisqu'il mmh. euh, y a beaucoup d'embusqués derrière. Euh, comment est-ce que ça va pouvoir s'opérer mobi La mobilisation, ce n'est pas seulement faire venir les hommes et leur faire enfiler un treillis, c'est les former pour en faire des soldats. Et ça prend en... pas cinq minutes. En théorie, mais le, le problème de l'armée ukrainienne, c'est que c'est une armée d'origine soviétique sans les bénéfices de l'armée soviétique. Donc, il manque la masse et l'autorité. Si on peut résumer la chose. D'ailleurs, je, je tenais à, à le dire que la plupart des, des, des brigades, en termes de, de leur composante d'infanterie, sont à 35-40% de, de leur effectif pour les fantassins. C'est très bas. Donc les pertes ne sont pas distribuées équitablement dans une brigade, c'est-à-dire que les embusqués à l'arrière auront beaucoup plus de chances de survie que oh bah oui. les fantassins. Bon. Maintenant, ça c'est un le, le sujet de l'entraînement, c'est un sujet assez épineux parce que dans les armées occidentales, ce sont des armées de temps de paix. Donc il y a toujours le temps de former les troupes, mais je suis assez certain qu'en 14-18 on faisait la même chose, le temps d'entraînement de, était beaucoup plus court et c'était par le, le baptême du feu qu'on allait vraiment entraîner les soldats. Donc les Ukrainiens se sont dit, à cause de, des problèmes de, de troupes, du nombre de, de soldats, donc entraînement ba de base peut-être trois mois maximum, maximum. Et après, on les envoie au front. S'ils survivent, ils vont faire... Euh, plus d'entraînement à l'arrière. Mais vraiment, le, le but, c'est de, de leur apprendre le plus sur le front des vétérans de l'armée ukrainienne. Par à contre, il y a des histoires d'hommes de, qui ont été mobilisés, dix jours plus tard, ils ont déjà été tués. Donc, c'est-à-dire, dix jours, ils sont partis de leur maison, dix jours plus tard, ils étaient tués au front. Donc ça, il y a eu des cas comme ça, il y a eu des cas de trois, quatre semaines d'entraînement et une semaine plus tard... Le, 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 le soldat, la recrue était déjà tombée au front. Donc, il y a eu des histoires comme ça de trois jours d'entraînement envoyés au front, mais surtout l'année dernière, en 2023. Ça, surtout à Barmouth, on l'a vu, c'était euh, pas drôle pour les soldats ukrainiens. Et on dirait qu'ils ont une sorte de. Ils séparent les, les mobilisés, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont être envoyés en Europe pour former, disons, des troupes d'élite ou de niveau un peu plus élevé et ceux qui vont rester en Ukraine, qu'on envoie presque directement au front. Donc je alors, pense que les plus jeunes, on les envoie en Europe, et les autres, on les envoie au front, quoique même les recruteurs de l'OTAN ont été étonnés de l'âge moyen de leurs recrues. Alors, j'ai une interrogation, moi, euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, sur les conditions de cette mobilisation, puis les conditions de cette guerre, parce que ouais. compte tenu des pertes probables... On ne va pas se lancer dans la polémique sur les chiffres, mais je pense qu'elles ont été et qu'elles sont toujours très lourdes pour les Ukrainiens. Donc aujourd'hui, le nombre de, de personnes directement ou indirectement touchées dans la population ukrainienne est très élevé. Hein je disais qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient bon ben, euh, on, on connaît tous quelqu'un qui a été frappé soit parce qu'un ouais. mari est mort soit parce qu'un fils etc euh, et euh, je veux dire au bout de deux ans les nouvelles ne sont pas bonnes parce que il y a beau avoir la propagande de, 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 de ukrainienne euh, les informations arrivent surtout dans une population qui est hétérogène où on sait très bien que mm -hmm. à l'est dans les zones qui ne sont pas encore contrôlées par les Russes. Euh, on sait très bien que la, la communauté russe est, 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 est importante et elle est pro-russe en plus. Donc ça, ça, ça discute, ça circule. Euh, je je m'interroge sur euh, la volonté des Ukrainiens au combat. Or, j'en ai parlé à plusieurs reprises avec Hervé, euh, jusqu'à présent, ils se sont battus. Ils se sont Ils se battus, battus assez, assez courageusement, euh, avec, euh, avec énergie. Alors, c'est une quelque part, mais même euh, du point de vue ukrainien, c'est une cause perdue. Alors, à, à, à l'Est y compris, à, à l'Ouest, pardon, du côté de Lvo Lvov, où, là c'est très différent, ce sont les bases de ce qu'on appelle les néonazis ukrainiens, les ukronazis, pardon. Et donc, il euh, y a, y a, y a, y commence à y avoir euh, des, des débats en disant, mais à quoi bon nous, euh, s'ils si gardent le, le Donbass, qu'ils le gardent. Euh, Qu'est-ce qui, qui peut expliquer qu'il n'y ait pas eu une lassitude plus importante avec une expression de cette latitude des révoltes des... Il y a eu quelques petites manifestations à droite, à gauche, à Odessa, je crois me rappeler. Mais euh, bah, ils, ils sont partis se faire tuer euh, euh, sans trop d'état me semble-t-il, les Ukrainiens. Très bonne question. Euh, je pense que déjà, on pourrait surestimer l'attachement des populations russophones de l'Ukraine à la Russie. Donc, ils ont une, un lien linguistique, mais peut-être pas plus que ça. Donc, ils se considéraient ukrainiens avant d'être russes. On l'a vu par le bataillon Azov, qui ne communique qu'en russe, mais qui faisait partie des troupes les plus, les plus convaincues, les, les plus élites de cette guerre. Donc, je pense euh, que... Euh, Excuse-moi, Alexandre. Ça fait deux fois qu'ils ont refusé de monter en ligne. Hein. Une fois à Advitka, et là plus récemment euh, à biens, je crois. des, Ce sont des rumeurs parce que je ne suis pas totalement d'accord avec ces rumeurs puisque à Advitka, elles, elles sont bien montées au front et ce sont ces troupes-là qui ont sauvé la situation d'Avdivka de se, de se terminer en désastre total. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a des rumeurs, mais je pense aussi que cette brigade Azov a été bien étriée. Par ces combats continus. Donc, je pense qu'ils veulent juste prendre du temps pour reformer les troupes et pour garder leur statut de troupes d'élite. Ça sert à rien d'envoyer de, des mobilisés et de tout de suite les envoyer au front. L'unité Azov sera juste une brigade comme les autres à ce rythme-là. Donc, je pense qu'ils veulent garder quand même le, un statut un peu plus élevé. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de soldats sont russophones. Quand on il y a des interviews de la télé ukrainienne, beaucoup parlent en russe. Mais ils se battent contre la Russie. Donc, c'est un, une situation un peu compliquée. Et il y a aussi le fait que, bon, il y a le, le SBU, donc les services de, de renseignement ukrainiens, ils, ils font très attention à leur population. Et qui que ce soit parlerait euh, des Russes positivement aura des problèmes. Et là, l'état de droit n'est plus vraiment appliqué. Donc, si tu es mobilisé, tu veux pas non plus que ta famille souffre à cause de toi, à cause de tes propos. Et il y a une sorte de solidarité aussi en temps de guerre, malgré les, les différences que les gens pourraient avoir en temps de paix, en temps de guerre. Bon, euh, ils n'ont pas trop le choix. Oui. Donc, je... c'est ce que je vois. Et euh... voilà, donc il n'y a pas... C'est sûr qu'on recrute beaucoup chez les Russes, apparemment dans les, dans les régions de l'Est de l'Ukraine, mais ce sont aussi les régions qui... Ont de, de, une population plus forte à cause de leur bassin industriel et de ce que j'ai entendu dire les gens de l'ouest de l'Ukraine s'étaient principalement portés volontaires au début de la guerre et maintenant que on cherche des troupes mobilisables ce sont principalement les régions qui ne sont pas portées volontaires donc Odessa, Zaporizhia, Kharkov et tout ça donc il y a eu vraiment deux mouvements différents dans la population alors euh, voilà bon une armée qui, qui est euh, incontestablement en difficulté euh, oui. elle, a des, elle, elle a des problèmes de matériel elle a oui. des problèmes de munitions euh, bon c'est on, on sait ce qu'il faut en penser on en a suffisamment parlé hein, attention hein, en France on, notre président de la République a, a parlé de, de, de la réindustrialisation euh, militaire de la France, et il est allé poser la première pierre d'une usine de poudre. Je ne peux pas m'empêcher de rigoler, mais c'est tellement ridicule. Alors, ça a été mis en scène, les télévisions étaient là. Hein, donc, on va produire, je ne sais plus, 4000 obus par mois, euh, ce qui est la consommation d'une matinée des Russes. Bon, euh, Donc, euh, tout ça est un petit peu ridicule, mais ça, c'est pour ce qui concerne la France. Euh, les... Mais l'armée ukrainienne euh, oui. est quand même confrontée. Par exemple, elle a... on ne construit plus de Bradley. En... L'usine a fermé euh, et ils en ont perdu Mais il y beaucoup, en a beaucoup. Donc... Les, les Américains, je pense qu'ils en ont encore 2000 en stock. Donc, euh, il... le matériel ne manque... Les mat... Le matériel manque en Ukraine, mais ne manque pas nécessairement aux États-Unis. Les Américains en on ont encore des, des centaines et des centaines. Je dirais que le, le plus gros problème de l'armée ukrainienne, c'est d'avoir voulu lancer cette offensive en été, alors même qu'ils n'étaient pas préparés. Donc, je pense que c'était une folie déjà d'annoncer... Où et quand ils allaient attaquer. Donc, surtout sur des positions fortifiées. On pourrait, on pourrait la comparer, cette offensive, à l'offensive Nivelle. Donc, une sorte de, de folie qui aurait dû être annulée juste avant. On connaissait les difficultés. Personnellement, je pense que les Ukrainiens auraient dû tenter le tout pour le tout et faire une offensive sur Belgorod. Ça aurait eu de, des résultats sûrement bien meilleurs et les Russes auraient été bien plus embêtés d'une telle offensive vers une ville russe de, de cette taille mais maintenant l'armée ukrainienne est forcée à se défendre, rester sur la défensive et c'est vrai qu'elle a des problèmes. Maintenant la question c'est est-ce que les Russes vont faire quelque chose de cette situation Donc normalement si l'armée ukrainienne est dans une telle posture ça serait le moment pour les Russes de lancer une grande offensive et de continuer. Attends, une seconde, je t'arrête une seconde Alexandre parce que voilà, notre deuxième thème puisqu'on avait voilà. discuté un petit peu avant, notre deuxième thème, <laughs> il a fait une belle transition. Euh, euh, concernant. le euh, métier. <laughs> euh, ben oui, exactement. Euh, donc, oui, euh, on a beaucoup parlé d'effondrement, y compris avec Hervé. Euh, moi, j'ai un peu du mal, parce que je suis profane, même si tout ça m'intéresse, et avant même le début de cette guerre, j'avais une certaine culture militaire, mais qu'est-ce qu'on entend par effondrement Donc, euh, bon, le terme est très joli, collapse, hein, euh, en, en anglais. Euh, j'ai entendu dix fois, vingt fois, cent fois l'armée ukrainienne au bord de l'effondrement. Je l'ai entendu du côté russe, mais aussi beaucoup du côté occidental. Hein C'était le, les articles du, du WAPO ou du New York Times qui, qui disaient euh, il ne disait pas que là, ils il disait la lettre C, hein parce qu'on ne pouvait pas parler d'effondrement. C'est quoi Qu'est-ce que ça pourrait être l'effondrement de l'armée la, de ukrainienne Tout d'un coup, elle se débanderait. Enfin, J'ai du mal à saisir. Hein C'est concrètement Je... ce que ça. Moi aussi, j'ai du mal à, à saisir qu'est-ce que ça pourrait représenter. Je pense qu'on exagère aussi les possibilités de l'armée russe à pousser. C'est-à-dire que même si les Ukrainiens font face à un manque d'infanterie et tout ça, les, les, troupes, les armées ne sont pas au, au contact directement. Donc il y a cette sorte de no man's land rempli de, de champs de mines où l'attaquant doit quand même se montrer et il risque de se faire bombarder par l'artillerie, les mortiers, tout ce qui tout... Les drones. Les drones, voilà, et exactement. Les drones. Donc il y a tout un arsenal d'armes euh, qui pourrait être utilisées contre les troupes d'attaque. Donc le, le gros problème de l'Ukraine en ce moment, c'est vraiment les munitions. Le manque d'infanterie va juste dire, va juste représenter une posture défensive pour le reste, pour les mois à venir. Parce que sans infanterie, on ne peut pas contrôler le terrain, on ne peut pas attaquer. Donc ça, veut dire, ça voudrait dire que les Ukrainiens, pour le reste de 2024... Reste à la, sur la défensive. Maintenant, pour les Russes, la question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de cette situation je, je ne pense pas qu'il y aura un, un effondrement massif, une grande offensive russe qui va avec des grosses flèches rouges sur la carte de des avancées oh. de 50 km. Pour faire plaisir à euh, Douglas McGregor. <laughs> oui, qui, voilà, qui, qui l'appelle de ses voeux depuis deux ans. Oui, je, parce, je pense qu'après, bon, il, là, il peut plus ne pas dire. Que ça, va, que ça va arriver. Donc il est obligé de continuer parce que sinon il, il perd toute sa crédibilité. Donc à un moment, il y aura un effondrement. <laughs> Mais pour les Russes, je pense qu'ils ont trouvé la, la recette gagnante, c'est-à-dire de, de marteler l'armée ukrainienne. Un peu ce que l'armée française a fait en 1918 d'ailleurs, c'est-à-dire de faire des petites offensives à un, certain, à un point du front, d'amener toutes les réserves ukrainiennes à ce point-là et d'attaquer toujours des petites offensives. Tout simplement, comme je, je pense qu'on en avait déjà parlé, le problème, ce sont les satellites de l'OTAN qui aident l'armée ukrainienne. Donc de penser que l'armée ukrainienne à elle seule arrive à tenir tête à l'armée russe, c'est un mythe, c'est une blague, c'est la grande comédie, parce que les Américains, les Occidentaux leur donnent tout, tout le renseignement sur les positions de l'armée russe. Donc, si les Russes veulent faire une offensive... Avec 30 000 hommes, les satellites verront très bien la concentration de troupes avant même l'offensive. Donc, deux, trois semaines avant cette offensive, les Ukrainiens sauront qu'il y aura quelque chose qui va arriver. Donc, les Russes ont trouvé une parade à ça, c'est-à-dire, scoop, là, j'en ai pas encore parlé. Donc, là, on commence les nouvelles. Donc, les Russes attaquent toujours à partir de leur base urbaine. On a vu que la bataille d'Avdivka, le centre logistique était la ville de Donetsk, une grande ville, une, gros, une grosse zone urbaine de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Pourquoi Très facile de cacher des troupes et du matériel. Donc, de cette ville, on, on met une bâche, une tôle, des garages pour les véhicules, on cache les troupes, on les appelle, en 15 minutes, ils peuvent être au front. Donc, c'est très difficile pour les satellites de l'OTAN, pour les services de renseignement, de détecter ces attaques. Maintenant, les Russes vont faire le même coup avec Barmout. Barmout, qui est une base pour l'armée russe, avec un nombre X de soldats et de matériel qui est caché. Et à partir de là, ils vont lancer des raids vers ter le territoire ukrainien. Donc, à partir de là, on peut savoir à peu près dans quelle direction les Russes vont attaquer dans les prochains mois. Toujours grosse zone urbaine, cacher les troupes, créer une sorte de maskirovka locale, et ils attaquent. Alors ça c'est passionnant. Euh, euh, on a un scoop d'alexandre euh, robert la euh, euh, j'avais pas du tout pensé. Euh, effectivement la question comment euh, régler le problème de l'hypersurveillance du front voilà. et c'est vrai que la référence à, à, à la première guerre mondiale euh, le feu tue, hein, disaient les généraux à, à commencer par Pétain, euh, qui faisait que le front le front était bloqué. Et donc euh, là, c'est un petit peu la même chose. Euh, euh, et il euh, y, a, y, a y a des recettes. Et celle-là en serait une, c'est-à-dire de démarrer les offensives et par conséquent de les organiser à partir voilà. de bases opérationnelles de départ, qui sont, qui sont des villes où on peut cacher. Euh, c'est voilà. simple, Et mais, mais très ça simple. permet euh, d'identifier sur la carte quels sont euh, les endroits possibles, hein, parce qu'après, voilà. c'est dans la tête des, des, des euh, généraux voilà. so russes, j'allais dire soviétiques. Non, mais tête... c'est très simple parce que ils ont... on, on l'a vu en été avec les Ukrainiens lors de leur soi-disant contre-offensive. Les Russes avaient détecté les colonnes d'attaque 15-20 km avant même qu'elles n'atteignent le front. Donc les Russes étaient prêts. Par contre, s'il y a une grosse zone urbaine, une localité où les Ukrainiens peuvent se, rec... se cacher, ou disons là, les Russes, peut... les Russes peuvent cacher une compagnie, un bataillon même, avant de le lancer à l'assaut. Et les Russes ont aussi trouvé une nouvelle méthode d'attaque au niveau tactique. Donc là, on regarde au niveau opérationnel, base logistique, base opérationnelle dans les zones urbaines. Maintenant, au niveau tactique, c'est de lancer des compagnies entières à l'assaut d'un coup avec à bord de véhicules blindés. Donc ce sont des colonnes de 5 à 10 véhicules qu'on envoie à toute vitesse à un certain endroit avec un soutenu par le feu de l'artillerie et de l'aviation et le but c'est de, de de laisser l'infanterie dans une forêt ou dans une dans, dans des maisons et de vraiment d'y aller le plus vite possible. Et les et les Russes ont, ont montré leur habileté à manœuvrer à travers les champs de mines récemment. Donc ça, ça devrait faire peur aux Ukrainiens. Les Russes à Krasna-Orivka, euh, au sud d'Avdivka, ils ont réussi un assaut sur deux kilomètres, poussé deux kilomètres en avant, de prendre pied dans cette, dans cette ville, dans cette bourgade. Pareil, proche de Barmout, même système à chaque fois. On envoie des colonnes, on se maintient, et ce sont des attaques qui partent de ces zones urbaines cachées. Et les Ukrainiens n'ont pas le temps de réagir, tout simplement. Donc l'assaut dure 3-4 minutes. En 3-4 minutes, il y a une compagnie qui va s'établir dans une forêt. Et pour les Ukrainiens, ça devient très, très dur de réagir. Alors surtout que maintenant, bon, le, le, le printemps est arrivé, c'est-à-dire le, le, la couverture végétale euh, qui était profitable auparavant aux, aux Ukrainiens, oui. euh, va être profitable aux, aux Russes qui sont la puissance attaquante. Euh, mais alors... Ça, base opérationnelle, zone urbaine, tactique que tu viens d'identifier. Euh, ça peut aller vers quoi? Alors, c'est toujours le donc, débat. Hein c'est toujours donc. le débat, grande offensive ou pas, mais euh, c'est offensif, c'est une approche ouais. offensive. Alors, attrition offensive, paraît-il, euh, selon ceux ouais. qui font référence à Svetchine, mais euh, vers quoi ça peut aller Parce que là, on peut réfléchir et essayer d'imaginer les objectifs du, ouais. commandement, du commandement russe. Donc, déjà, ce que je voulais dire avec cette nouvelle euh, méthode, cette euh, nouvelle méthode d'attaque, c'est que les Russes ne manquent pas de véhicules blindés comme on pourrait le croire. Ils ne manquent pas de troupes non plus. Donc, avec ces conditions, ils peuvent être de plus en plus euh, confiants dans leurs attaques des attaques de plus en plus risquées. Ils ont les réserves. Les Russes ont maintenu, vu que les Russes sont restés sur la défensive tout l'été, ils ont quand même un, un gros potentiel de troupes qui ont maintenant des, des années d'expérience au front. Donc ça, c'est un truc, c'est une chose qu'on doit prendre en compte. Maintenant, où est-ce que ça peut mener Donc, bataille de Chassivyar, très importante. C'est le point dominant en termes d'élévation du Donbass. On appelle ça la porte du Donbass. J'en avais déjà parlé lors de la bataille de Barmouth au printemps, hiver-printemps 2023. Si les Russes prennent Chassivyar, qui est une petite ville, ça ouvre la porte vers la, la vallée, donc la, la vallée à l'ouest, c'est-à-dire Konstantinivka, Slaviansk, Kramatorsk. Donc cet axe. Plutôt Konstantinivka, Kramatorsk, Slaviansk. Donc les Russes pourraient éventuellement... 2024, commencer à attaquer ces villes-là qui sont l'objectif principal de l'armée russe. Donc, quel est l'objectif de l'armée russe L'objectif politique reconquérir le Donbass. Je pense que les dernières offensives ont montré que c'était clairement l'objectif principal, l'axe d'attaque principal reconquérir toutes les villes du Donbass. Avdivka en est le meilleur exemple. Et maintenant, la, cont la continuation de l'offensive à l'ouest de Barmout en est un Autre, donc on peut oublier une offensive sur Kherson pour le moment, on peut oublier une offensive sur Zaporizhia pour le moment, et on peut oublier cette soi-disant offensive russe vers Kharkov aussi pour le moment. Les Russes vont, à mon avis, vraiment se concentrer à reprendre le Donbass 2024-2025. Et après, alors oui, vas-y, oui. euh, fini, non, vas-y, vas me... c'est bon, c'est bon, c'est bon, non non, 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 mais le, le, le alors, question, oui, effectivement, euh, moi je suis, je trouve ça. Très convaincant. Le problème, c'est que euh, on a quand même cette année une ouais. fenêtre. Il y a une fenêtre qui est ouais. l'élection présidentielle américaine. Hein ouais. C'est clair, je ne sais pas du tout ce qu'elle va donner. Il euh, bah, y a trois solutions. Soit Biden est réélu, soit Trump est réélu. Et la troisième solution, c'est quelle que soit la décision euh, électorale, l'autre ne l'acceptera pas. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver confronté à une situation euh, euh, avec des éléments de désintégration de l'État américain. Moi, je, 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 je suis les États-Unis depuis fort longtemps, une, une partie de ma famille qui y est, euh, et je n'ai jamais connu une situation de, 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 de telle tension et surtout de, de rupture du consensus qui faisait tourner cette République impériale. Donc, cette fenêtre. Euh, avec les, les, les objectifs dont on parle souvent, la question de la transnitride, la gagaousie, mmh, la question mmh. d'Odessa, euh, parce que je ne pense pas que les redomontades d'Emmanuel Macron sont ridicules, mais euh, avoir fait d'Odessa un, un, un espèce d'élément fondamental n'est quand même pas dû au hasard. Euh, Est-ce que euh, 2024, du fait de cette fenêtre, euh, du fait de cette possibilité, euh, ne, ne va pas euh, amener les Russes à essayer de pousser leur avantage, sachant qu'en phase 2, les Américains sont en train de se désengager. Il faut être clair, hein. ils vont mmh. continuer euh, à aider, ils vont continuer à assurer la couverture du front, le renseignement, l'information, mais euh, ils n'enverront verront plus d'argent, ils n'enverront verront plus de matériel. Il ne bah, faut pas se raconter d'histoire. C'est un peu la faiblesse des, des Américains de toujours vouloir régler avec de l'argent. Des, des problèmes qui ne se règlent pas financièrement. Et ils oui, balancent oui. des, des, des millions, des milliards à des régimes corrompus. Donc, on l'a vu au Vietnam avec le Sud-Vietnam, on l'a vu en Afghanistan, en Irak, toujours la même chose. Les Américains balancent du fric à des problèmes jusqu'au jour où ils se rendent compte que ce n'est pas la solution et ils partent. Donc, c'est toujours la, la même séquence d'événements. Pareil pour l'Ukraine. Comme par hasard, beaucoup de... On ne sait pas où est tombé l'argent, évidemment, mais bon, on ne le saura jamais. Mais les... c'est vrai qu'il y a une fenêtre d'opportunité de quelques mois, bah jusqu'à janvier, je pense que le nouveau président oui. euh, entre en fonction en janvier. Donc il y a encore 6, 7, 8 mois environ. Huit mois. Oui, problème, c'est qu'au niveau tactique militaire, on ne peut pas concentrer beaucoup de troupes à un endroit, pour les raisons que j'ai exposées euh, avant. Le problème, c'est que si on concentre des troupes, on concentre les pertes, tout, tout simplement. Donc les Russes procèdent à, à leur manière, une ville après l'autre. Donc ce sont des, des séquences de batailles. Comme ça, ils peuvent aussi concentrer la logistique et toute l'artillerie pour qu'aucune unité ne manque de munitions. Mais de garder une certaine pression tout le long du front. Mais je pense que les Russes, peu importe qui sera à la Maison-Blanche maintenant, ont tracé la ligne de leur plan, euh, quoi qu'il se passe. Mais vraiment, voilà. je pense que c'est le Donbass, l'axe le, principal pour, pour les Russes. Peut-être j'ai tort. Je, je, je ne fais juste voir avec tout ce qui est disponible en ligne, information libre. Je n'ai pas accès à des, des données secrètes. Donc en ce moment, on voit que les, les Russes percent vraiment la ligne la plus dure, celle du Donbass, avec toutes les zones industrielles, les montagnes, toutes les villes. Donc c'est vraiment un terrain difficile, mais. Je pense qu'ils se sont dit, si on garde le Donbass, s'il y a une sorte de paix ou d'un cessez-le-feu qui se fait, les Russes pourront déclarer mission accomplie si au moins ils reprennent tout le Donbass. Moi, je suis assez sur cette ligne. Hein. Les, les gens qui me suivent le savent. Hein. J'utilisais l'expression un peu curieuse. Les Russes font durer le plaisir. Ce n'est pas le plaisir, mais... <laughs> Euh, ils sont alors, et, puis, et puis ils ont toujours euh, dès le début et ça m'avait été confirmé par des relations que j'avais en Russie euh, c'était une volonté de l'opinion publique et même peut-être de l'armée de prendre des gants c'était quand même les frères slaves ouais. hein, c'est donc bon là euh, je, je, et pour des raisons alors, militaires directement militaires je, je suis je suis assez d'accord avec euh, cette idée que euh, lancer une grande offensive ce serait coûteux. Ce serait coûteux aussi pour une opinion publique parce que ça voudrait dire beaucoup de pertes. Euh, et par conséquent, euh, euh, ce n'est pas euh, euh, nécessaire. Et surtout, avec euh, des gains qui... Bon, euh, effectivement, dire on veut récupérer Odessa parce que c'est une ville russe, c'est bien joli. Mais ça veut dire qu'on coupe l'Ukraine de la mer Noire. Ça veut dire qu'au plan géostratégique, par rapport aux autres pays d'Europe, c'est quelque chose d'important. Mmh. Euh, la perte du Donbass, je pense que les pays européens s'en foutent. Euh, ce qu'il fallait, mmh. c'était euh, affaiblir mmh. la Russie, éventuellement lui faire changer de gouvernement. Hein. Mmh. En revanche, couper, euh, euh, couper l'Ukraine le, le, et cette partie de l'Europe de la mer voilà. Noire, c'est autre chose. Bon. Catastrophique, ça serait catastrophique pour l'Ukraine. Voilà. Ah, pour l'Ukraine, oui, ça, je pense que l'Ukraine serait... Mmh. Mais bon, j'ai tendance à penser d'ores et déjà que c'est un état croupion. Euh, ah, ça serait euh... pire, ça serait pire. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, non, mais je pense que euh, là, là, eux, ils ont euh, la décision prise d'obéir à Boris Johnson est une tragédie pour ce pays. Je pense que ce pays, c'est en acceptant ça, en acceptant les assurances occidentales, euh, ils ont commis une erreur mortelle euh, pour, pour euh, l'existence de ce qui, est quand même, ce qui était quand même géographiquement, industriellement, un grand pays, qui malheureusement n'avait pas su prendre le virage euh, après l'indépendance après et était resté euh, dans une situation de corruption euh, mmh, dont mmh. il n'était jamais sorti. mais euh, aujourd'hui, oui. euh, le, le, c'est vrai que c'est difficile de savoir euh, euh, ce que sont les objectifs des russes. mais je partage l'analyse d'alexandre euh, concernant le fait de faire les choses oui, vas-y. Je pense qu'il faut aussi. Il y a un parallèle historique que, que j'aime bien prendre, c'est celui de la guerre de sécession. Donc, on peut comparer la guerre de sécession à cette guerre russo-ukrainienne. Ce sont des, deux peuples qui sont extrêmement proches en mentalité. C est, c est, on pourrait presque parler de guerre civile, presque. Si on enlève le côté idéologique de la guerre de sécession, on a un pays plus gros, avec une plus grosse population et très industrialisé contre une petite nation, mais guerrière. C'était à peu près la situation. Donc, les premières années pour l'Union ont été très difficiles, jusqu'à 1863, Gettysburg, où, que je pourrais considérer comme la, la contre-offensive d'été qu'on a eue, donc ça a été vraiment le tournant de, le, de la guerre, et à partir de là, les armées de l'Union ont trouvé la solution pour battre les armées confédérées, c'est-à-dire de faire une série de batailles, Rien de grandiose, pas de Napoléon, pas de grande manœuvre, mais juste une série de batailles très meurtrières et de ne laisser aucun répit aux troupes confédérées qui vont chaque fois faire face à une bataille d'attrition. Et c'est exactement ce que les Russes font. Donc, après Avdivka, tout de suite Chassivyar. Après Chassivyar, ils vont activer, activer un nouveau front, toujours un nouveau front. Il n'y aura plus aucun répit pour l'armée ukrainienne. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Les Ukrainiens seront constamment forcés à la défensive et ne pourront plus contre-attaquer avec des, des grandes offensives, c'est-à-dire de, de reprendre leurs frontières de 1991. Je pense que c'est un rêve qui s'effondre en ce moment. Alors, je vais ajouter une chose à ta comparaison qui m'apparaît euh, être très bonne euh, c'est que euh, les, les confédérés. Euh, chercher le soutien des autres euh, puissances, oh, en particulier la Grande-Bretagne, qui et était le, 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 le colonisateur évincé, la France, et euh, ils ont bénéficié dans un premier temps d'une série d'appuis, mais qu'ils ont perdu au fur mmh. et à mesure. Alors qu'ils ont perdu euh, parce que les, les nations n'ayant que des intérêts, quand ces pays se sont aperçus que ça leur plus de problèmes que ça ne pouvait en résoudre, et ils ont été entre guillemets abandonnés. Ça, c'était ils se sont voilà. trouvés très isolés. C'est aussi alors, je, je, comparaison n'est pas raison, mais quand même, ça, voilà. ça, ça raconte des histoires. Et ce que je voulais dire, c'était que les euh, le monde change. Le monde change. Il y a euh, l'émergence des BRICS. Il y a l'affrontement le, 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 mondial, le Nord-Sud. Il y a le, le fait que les choses évoluent quand même très vite. La crise économique en Occident. Le L'Iran, la... Israël. <laughs> Alors, on va y venir. C'est lui il fait les transitions, notre ami euh, Alexandre. Et il a raison. Donc, euh, euh, voilà. Et, 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 les, et les Russes peuvent penser, considérer qu'ils ont du temps, non pas pour prendre une victoire éclatante, mais pour gérer un conflit dont ils considéraient qu'il était existentiel. Et la question mmh. du caractère existentiel de ce conflit, elle est réglée. Elle est réglée, l'économie va, va bien, le pays est rassemblé euh, aujourd'hui et euh, le, 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 la Russie n'est pas en danger, contrairement ah. à ce que euh, pensait un, Bruno Le Maire. Un point important que, que je voulais rappeler, c'est que oui. Euh, les Russes ont aussi ce problème de, de cette fuite des cerveaux à l'étranger. Mais comme la Russie a un avantage de 5 contre 1 en termes de population, même si des millions de Russes quittent le pays, il y a quand même toujours des millions de Russes qui restent en Russie prêts à se battre. Donc ça, c'était un, un petit détail que je, je tenais à, à rappeler. Donc les, cette fuite des cerveaux en Ukraine est beaucoup plus grave vu qu'ils ne sont déjà pas très nombreux, de perdre 1,5 million, million d'hommes qui pourraient être au front, c'est catastrophique. On, on parle de la, la taille de l'armée ukrainienne à l'étranger. L'armée ukrainienne pourrait doubler en taille si tous ces hommes de l'étranger reviennent. Et ce sont des, Alors, sur la, des gens... Euh, sur, voilà. sur la fuite des cerveaux, il euh, y, y a un autre facteur, c'est que le rapport entre l'Occident et la Russie sur les questions de formation. Euh, la, la Russie forme 10 ingénieurs quand l'Occident forme 3. Hein. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que s'est expliqué euh, Emmanuel Todd, ben, il est beaucoup plus intéressant mmh. lorsqu'on a fait Polytechnique d'aller dans les salles de, de trading plutôt que d'aller euh, euh, dans les entreprises euh, industrielles. Donc, euh, ça, c'est une donnée. Euh, et la fuite des cerveaux, c'est-à-dire ces, ces couches moyennes, qui sont partis, ces couches moyennes des grandes villes, hein, qui sont partis, mm -hmm. c'était pas, euh, je veux dire, c'est une perte, c'est toujours une perte, parce qu'ils ont ouais, été formés. Hein Donc, ouais, voilà. euh, eh oui, ils ont été formés, c'est le peuple russe qui a payé. Et, euh, mais ce n'est pas, euh, pas quelque chose de décisif. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est l'alliance, parce que c'est une alliance. J'ai vu que Lavrov était encore à, à Pékin, j'ai regardé les communiqués communs, c'est impressionnant. C'est impressionnant, hein, D'accord. Donc... Et, et je pense que déjà le fait que les Russes aient ouvert leurs frontières à la population russe qui voulait partir du pays a fait en sorte que on a évité une révolution en Russie. Les, les Russes ont été assez euh, intelligents, disons, on, on peut le dire, ils ont été assez intelligents pour faire partir leur opposition politique à l'étranger. Donc ça. A... Elle, elle, était, elle était urbaine, c'est comme chez nous d'ailleurs. Hein, oui, mais elle était urbaine, mais ces gens-là sont partis en Europe, sont partis en Turquie, aux Émirats, donc ils se sont installés à l'étranger, mais ils ne, sont, ils ne représentent plus un danger vraiment pour le gouvernement qui, bon, euh, on, les Européens s'attendaient à un effondrement, des révolutions, bon, tout ça s'est effondré. Mais ce que je voulais dire, et tu as, as totalement raison, c'est que je pense que les Chinois aident beaucoup plus les Russes que ce qu'on pense c'est-à-dire en composantes électriques, en, en pièces de rechange. Ils utilisent le même matériel soviétique. Donc je pense que Alors... peut-être via la Corée du Nord, c'est-à-dire les Chinois font passer par la Corée du Nord, voilà, Made in North Korea. Je pense Il y a, que... il y a aussi les accords concernant la, la, la région de, de Chine. Qui, qui est front, frontalière avec la capitale qui est Arbin, Il y a, ils sont en train de mettre en place des, des zones de développement tout à fait considérables. Bon, on aura l'occasion de reparler de ça, mais oui, moi oui. j'ai une idée, j'ai une idée. Euh, tu vas voir laquelle. Euh, c'est que je pense que la Russie euh, est aidée par la Chine, C'est incontestable. Et sinon, incontestable. les <laughs> occidentaux râlent, ouais, ils n'arrêtent pas de les aider, etc. <laughs> mais je pense, je pense que qui a plus le besoin de l'autre à terme, c'est la Chine. La Chine sait très bien qu'elle va avoir la Russie, la, les États-Unis dans les jambes, hein, qu'il va y avoir l'Ocus, qu'il va y avoir le Pacifique, et par conséquent, mm -hmm. que le soi-disant piège de Thucydide, qu'elle va avoir un affrontement, pas nécessairement militaire, hein, mais affaire avec des risques euh, mm -hmm. avec les États-Unis. Euh, Jeannette Yellen, qui est la secrétaire d'État au Trésor euh, américaine, mm -hmm. est allée euh, à, à Pékin, elle est allée mendier, elle a dit une phrase que je trouve extraordinaire, ah oui, mais vous vous développez trop vite, sans blague, je croyais que c'était la concurrence. Bon, et donc je pense que les, les, les Chinois comptent sur les Russes, auront besoin des Russes qui sur le plan, sur le plan euh, militaire sont, sont probablement en avance. Euh, bon, alors, il euh, y a le contexte. International, et c'est assez étonnant parce que ce sont deux crises. Ce sont deux crises qui sont parallèles. Alors, euh, on pouvait penser qu'il y, y en aurait une qui allait phago phagocyter l'autre. Ce n'est pas ce qui s'est produit. L'Ukraine a un peu disparu des radars pendant un temps. Et puis ap après, c'est le Moyen-Orient qui a disparu des radars et l'Ukraine, avec les redemontades de notre ami Macron. Et euh, euh, aujourd'hui, on est revenu euh, au, au Moyen-Orient. Donc, on, on a l'impression que... Elles ne se nourrissent pas l'une l'autre, mais qu'en fait, elles gonflent ensemble. Alors, on a eu euh, une agression euh, israélienne contre euh, l'Iran, avec le bombardement d'une installation diplomatique, violation de la Convention de Vienne, avec euh, bon, l'assassinat de plusieurs chefs de l'armée euh, iranienne, et euh, la riposte, qui a été la riposte faite euh, en, dans la nuit du 13 au 14 juin. Avril, la riposte à cette escalade, et euh, en application, de... parce que ça on l'oublie souvent, et cela c'est le juriste qui reprend la parole. L'article 51 de la Charte des Nations unies autorisait l'Iran euh, à frapper. Alors, l'Iran a frappé, on a entendu tout et le contraire de tout. Les Iraniens ont dit on a atteint tous nos objectifs, maintenant c'est bon, il n'y aura pas d'escalade. Bernard-Henri Lévy a dit si, 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 il faut répondre, ce sont des monstres. Et puis, euh, on a eu le discours israélien il n'y a rien qui est passé, euh, non, non, on a tout arrêté. Euh, donc, que, comment est-ce qu'on peut voir euh, cette, cet épisode euh, euh, là, je parle bien de, de, dans sa dimension militaire. Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est qu est est produit Est-ce qu'on peut considérer que l'Iran, comme il le dit, a atteint ses objectifs ou c'est plutôt Israël qui les a atteints en réactivant son dôme de fer Déjà, ce que je voulais dire, c'est que pour les, les youtubeurs ou analystes sur YouTube, de parler d'Israël, c'est toujours traverser un champ de mines. Donc, à chaque <laughs> fois qu'on parle de ce sujet, non, je suis sérieux, oui, de parler sais, de l'Ukraine, ben, ça va sûr parler de, de ce conflit, dès qu'on mentionne le mot Israël dans la vidéo, on a des problèmes de monétisation. Donc, on voit qu'il y a quelque chose. Maintenant, pour cette crise, il faut rappeler que les Israéliens, ça fait dix ans maintenant qu'ils font cette guerre entre deux guerres en bombardant les installations iraniennes en Syrie, ça fait dix ans. Ça fait dix ans que les Israéliens bombardent continuellement des cibles en Syrie. Ce n'est pas nouveau. Donc ça... Mais les Israéliens appellent ça la guerre entre deux guerres, c'est-à-dire euh, des bombardements, on n'en parle pas trop dans les médias, mais on attaque des... soit des... des dépôts de munitions, des commandants, des centres d'entraînement. Donc ça fait longtemps que les Israéliens font ça, on sait qu'il y a des drones qui se baladent au-dessus de... de régions qui ne sont pas les leurs, euh, le Liban et tout ça. Donc ça fait longtemps que les Israéliens font ces, ces attaques et les Américains, des fois, les aident comme... Euh, l'attaque sur le général Qassem Soleimani euh, il y a quelques années. Par contre, ce qui est important pour cette nuit-là, c'est que c'est la première fois que l'Iran a lancé des missiles sur Israël. C'est la première fois que l'Iran répond directement sur Israël. Avant les Israéliens, euh, avant les Iraniens allaient attaquer des bases, on va dire américaines au Moyen-Orient. Cette fois-ci, les Iraniens ont dit on balance, on attaque. Directement Israël. Donc je pense c'est un événement assez historique qui pourrait un jour mener à une escalade. Pour l'instant les Iraniens avaient besoin de montrer à leur peuple aussi qu'il y a une réponse. Il fallait qu'ils répondent d'une certaine manière. Sur... Le... La population n'aurait pas accepté un silence total des autorités. Les Iraniens devaient répondre. Ils ont répondu. Maintenant les... et je pense que les deux côtés <laughs> Euh, annonce une victoire. C'est-à-dire que les, les Israéliens disent, parlent de 99% de succès. Non, je ne pense pas que c'est autant. Non. On parle de... Attends, je vais calculer. Oui, dans le 99%, ils incluent tous les petits drones de quelques milliers de dollars. Mais euh, si l'on compte... Qui était là pour la saturation d'ailleurs, et qui était là justement voilà. pour, pour leur, les, 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 les obliger à user leur matériel. Ouais. Donc si, si on prend juste en compte les missiles en tant que tels, il y a quand même 5% de missiles iraniens qui ont pu traverser ce dôme israélien. Maintenant, si les, Isra si les Iraniens avaient envoyé 10 fois plus de missiles, le, les dommages auraient été beaucoup plus élevés. Et les Iraniens ont pu montrer aux Israéliens que leurs missiles pouvaient tomber sur des bases en Israël aussi. Donc je pense que les deux pays ont soi-disant atteint leurs objectifs, maintenant à voir où ça va mener. Mais je pense que dans, dans le sens large, Israël est en train de se faire embourber dans une guerre qui commence à les dépasser. Cest ce commence à voir? c'est- à dire que ça implique de plus en plus de pays, une petite opération qui devait être lancée contre Gaza. Maintenant il y a des risques en Syrie, il y a des risques au Liban, la région est très tendue. Alors moi, je, je, je partage entièrement cette analyse, c'est-à-dire que bon, euh, chacun poursuivait ses propres objectifs, qui n'étaient voilà. pas nécessairement de casser, de tuer. Non, non, c'était pas non. ça. Si, e essayer de décapiter euh, l'armée. Euh, du... C'était l'objectif, cela étant, Israël, une fois de plus, a montré qu'il se considérait comme euh, euh, ayant le droit de, 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 de violer le droit international quand il veut. Mmh. Ce n'est pas nouveau, ça c'est exact. Tu as oublié une chose, c'est les bombardements, euh, la, la guerre entre deux guerres, et il y a l'assassinat des, des ingénieurs euh, nucléaires aussi. Hein, sur, euh, bon, il y a, y a effectivement une guerre de l'ombre, une guerre secrète, alors qu'il y a un mérite, la guerre secrète, c'est ce que me disait Eric Dénessé, c'est qu'elle fait moins de morts que la guerre. La oui. guerre, euh, bon, je ne trouve pas ça terrible quand même, mais euh, le, le, le problème. Elle est moins médiatique aussi, elle est moins elle est, médiatique. Est, elle est moins médiatique puisqu'elle est secrète. Non, voilà. le, le problème, c'est que euh, concernant donc, les, les, les Iraniens, ils ont dit officiellement ils ont dit, ok, c'est bon, l'incident est clos, comme ils avaient fait avec Soleimani, parce qu'après l'assassinat de Soleimani, ouais. c'était sidérant. Hein, mmh. Sur le territoire de l'Irak, etc. Euh, ils avaient, euh, Trump avait ordonné ce qui n'était rien d'autre qu'un assassinat, et ils avaient bombardé une base américaine, mais ils avaient prévenu en disant Enlevez tout le monde là. Et il ouais. paraît, c'est Pépé Escobar qui dit ça, il paraît qu'il y aurait eu un, euh, enfin des contacts, il y en a toujours, hein, entre les services iraniens et la CIA, et qu'ils se seraient mis d'accord sur un scénario, hein, en disant, voilà, on va taper comme ça, comme ça, comme ça, hein, euh, mais euh, débrouillez-vous pour qu'Israël ne riposte pas à ça, parce que vous, c'est vos bases. Qu'on va bombarder. Là où euh, c'est vous qu'on va taper, paraît-il. Hein Donc, euh, euh, bon, j'espère qu'il y a quand même des gens encore suffisamment raisonnables dans l'état profond américain. <laughs> Maintenant, ce que, Victoria... que j'ai vu, c'est plutôt que les Israéliens avaient vent de l'attaque des jours avant. C'est-à-dire que depuis leur attaque sur, l euh, sur le consulat iranien, leurs euh, avions, les F-15, les F-16, étaient 24 heures sur 24 en alerte. Donc il, je pense qu'ils s'attendaient à, à une réponse. Et je pense que, bon, les Israéliens, ils ont quand même un réseau de renseignements assez bon. Je pense qu'ils s'attendaient à une certaine réponse. Ah, mais c'est... Euh, je veux dire, cette réponse, il était impossible qu'elle n'ait pas lieu. Ça, c'était clair, ne serait-ce que pour des raisons, effectivement, des raisons, bah, moi, habitudes... je Personnellement, je ne pensais pas que les Iraniens allaient répondre. Euh, J'ai eu tort. Mais je ne pensais pas que les, les Iraniens allaient répondre simplement parce qu'ils n'ont pas répondu pendant des années. Pas vraiment. Donc, il laissait passer toutes les attaques oui, israéliennes. Mais... Je me suis dit bon, cette fois-ci, euh, ils, ils en prennent encore une fois, ils vont rien faire. Mais oui, mais Alexandre, alors il y a quand même une situation nouvelle, et c'est en ça que je trouve que cet épisode euh, révèle, euh, la révèle, c'est que euh, ils ont changé. Il euh, faut pas oublier qu'ils sont une pièce importante dans le dispositif russo chinois que la Russie et la Chine ont signé des traités avec eux, des traités avec des implications militaires bien mmh. sûr, que c'est très important pour la Chine parce que c'est une des voies continentales des, des BRI, des fameuses euh, nouvelle route de la soie et par conséquent les, euh, les Iraniens euh, ont une situation différente au plan géostratégique et aussi au plan de développement. C'est un grand pays, c'est une grande mm -hmm. civilisation, c'est les Perses. Hein. Donc euh, ils ont ils ont une armée puissante, ils ont euh, des enfin dans le domaine technologique ils se débrouillent. Donc il euh, y avait aussi la volonté. Moi c'est comme ça que je le ressentais la volonté de montrer. Qu'ils étaient là. Euh, et c'est clair que euh, la situation est quand même changée. Ce que tu dis sur Israël, euh, une guerre qui les dépasse, euh, oui, et qui les amène à, à ne pas la prendre comme ils le, le devraient. Ça, ah, mais, mais en passant, c'est aussi intéressant de dire que les quand Israël bombarde les bases iraniennes en Syrie, par exemple, ils, ne volent, ils volent à travers. Bon, ça, c'est un peu tabou, mais on le sait qu'ils volent par la Jordanie. C'est-à-dire qu'ils passent par l'espace aérien jordanien, peut-être même saoudien, pour contourner certaines batteries de défense antiaérienne syrienne sur le Golan. Donc, il y a cette alliance aussi entre Israël, la Jordanie, l'Arabie saoudite, les Émirats, contre l'Iran. Ils ont tous le même ennemi en commun. Donc, il y a, il y a quand Je même cet aspect là... tu, Je tu suis pas trop d'accord. Je, je pense principe. que les gouvernements de ces pays sont quand même très proches de d'Israël, pas parce qu'ils aiment Israël plus que ça, mais c'est parce que ils ont le même ennemi en commun qui est l'influence iranienne, l'influence sur les chiites du Moyen-Orient, et donc c'est un grand échec. Absolument, absolument, ça c'est tout à fait vrai et c'était le cas. Mais euh, l'Arabie Saoudite a renoué euh, des relations diplomatiques avec euh, l'Iran euh, de façon spectaculaire, dans le même temps où elle intégrait les BRICS. Le, euh, la Jordanie, la Jordanie, les pauvres, ils sont entre le marteau et l'enclume. Euh, ils ont une rue qui est quand même très excitée parce qu'il se passe à Gaza. Oui, oui, et, euh, et donc, et ils sont coincés. Ils ont des bases secrètes des États-Unis sur leur territoire. Et donc, euh, et, euh, ils sont au plan, euh, aussi très dépendants au plan, euh, au plan économique et financier. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'un des plus gros créanciers après la Chine de euh, des, euh, des États-Unis, c'est l'Arabie saoudite. Tous mmh. ces pétrodollars sont là-bas. Euh, <coughs> donc, Et les Émirats arabes unis sont un petit peu dans cette situation euh, aussi. Le problème, c'est qu'ils n'aiment pas l'Iran, c'est clair. Seulement, les Émirats arabes unis, il faut qu'ils tiennent un peu se tiennent à carreau, parce que pour l'instant, mmh. on leur a quasiment fermé la, la, euh, la mer Rouge avec les outils. Et de l'autre côté, c'est le Golfe Persique. Si on leur ferme aussi le Golfe Persique, et ça, les Iraniens peuvent le faire très facilement, ils vont être dans une situation très difficile. Alors là, mmh. là c'est des jeux de dupes avec ces pays-là euh, qui, effectivement, euh, sont obligés de faire, de, 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 faire assez, de faire assez attention. Moi, j'avais une dernière question Absolument. concernant, concernant le, ce qui s'est passé, c'est que euh, le raid iranien, euh, c'est le coup pour euh, Israël et les Occidentaux. Parce que... Les Américains sont intervenus, mmh. les mmh. Britanniques sont intervenus, les Français sont intervenus. Il a fallu activer le, le, le dôme de fer. Hein. Or, le système, c'est le système outil qui consiste. C'est pour ça que dans euh, le, le, ce qui a été envoyé, il y avait de la saturation pour faire fonctionner, mmh. mais on, on, on détruisait des trucs à 10 000 dollars avec des, <laughs> des fusées à 3 millions et euh, des missiles à 3 millions, pardon. Et euh, c'est un peu ce que font les outils d'ailleurs. Euh, et donc, euh, moi, j'ai lu un chiffre, je ne sais pas si... Alors, c'était très argumenté, avec l'heure d'avion, la maintenance et, les, et le prix des missiles, disant, disant que c'était une opération qui avait coûté un milliard à l'Occident. Ah, un milliard de lu. dollars. Ouais, C'est ce que j'avais lu. Mais, Mais il ne faut vont pas pouvoir le faire très souvent. Hein. Non, et aussi, la plupart des drones ont été abattus avant même d'atteindre le sol israélien. Donc, c'est-à-dire que les Américains ont dû intervenir dans, au Moyen-Orient, soit je pense que les Américains ont fait une, une grosse partie de, du travail pour, pour aider les Israéliens. Donc, ça montre bien qu'il y, y a une limite à ce, ce dôme de, de fer. Il y a une limite. Il y a aussi le, le système de défense Arrow, donc flèche, qui, qui, qui servait à détruire les, les, les missiles balistiques, je pense. Les, je sais pas comment on dit, cruise missiles. Mais les missiles de croisière, voilà. Donc, euh, je pense qu'il y a eu plus. Je pense que ça a coûté très cher et qu'ils avaient besoin de toute l'aide occidentale. Donc, c'est pour ça que je dis si les Iraniens avaient, fait... avaient envoyé dix fois plus de missiles, Israël aurait été bien embêté. Et si recommençait dans un mois et dans deux mois et dans trois mois, parce que les drones oui. en particulier, toute la volée qui a été envoyée, pas seulement des drones, des missiles par le Hezbollah, c'était pas sur des cibles précises, hein, c'était véritablement un tir de saturation. Bon, mon cher Alexandre, merci pour cette discussion passionnante euh, et pour cet examen, ce tour d'horizon. De, de la guerre mondiale qui vient, hein des différents, différents théâtres d'opération. C'est bien, ça nous fait travailler. Non, j'espère que les choses vont, vont se calmer, euh, en particulier euh, au Moyen-Orient. J'espère que le, le peuple palestinien va, va euh, pouvoir sortir de la catastrophe dans laquelle il est, et puis qu'on va réussir à imposer, parce que je, 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 je vois un peu ce que racontent euh, les Russes, ce que racontent surtout les Chinois. Euh, mm -hmm. Sur la nécessité d'une conférence internationale, d'aller vers la solution à deux États, ça, je ne sais pas si c'est tellement praticable, mais il faudrait sortir probablement de cette espèce de, 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 comment dire, de direction qui est un petit peu terrible. Il n'y a pas de compromis possible là. Donc, je veux dire, là, les, là où les Israéliens se sont engagés, détruire le Hamas, c'est bien joli, mais euh, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, ici, si, se débarrasser de cet ennemi, euh, c'est une chose, mais il faut, euh, il faut trouver une solution. Ça fait 80 ans que ça dure. Donc, donc peut-être que euh, mmh. le moment est enfin venu, je dis ça plein d'espoir, mais euh, mmh. je ne suis, je suis pas euh, euh, sûr de ce que je suis en train d'avancer, mais le moment est peut-être enfin venu de, de, de mettre les choses à plat et de, de passer à la voie diplomatique de la même façon. Honnêtement, voilà. je, je suis très confus de, de la situation à Gaza. Je ne sais pas quel est le plan. Ce qui est compliqué avec la situation en Israël, c'est qu'il y a beaucoup de, de choses qui se passent. Euh, diplomatiquement, des choses cachées, des accords qui pourraient se faire en, en arrière. Donc c'est très compliqué. Je... Militairement, j'ai du mal à, à voir ce qui se passe à Gaza en ce moment. Les Israéliens sortent de certains endroits, ils reviennent, ils démobilisent leurs leur réservistes, ils ramènent d'autres troupes. Je, je C'est très compliqué. Je ne sais oui. pas quel est leur objectif. Mais c'est fou de se dire que on, a, on a une guerre dans un espace aussi réduit. Alors mmh. qu'on a une guerre en Europe centrale avec un front de 1200 km Bon, eh bien, c'est effectivement pas tout à fait la même chose. Voilà, chers amis, merci ouais. de votre attention. Hein, donc, nous allons prendre congé de notre ami euh, Alexandre qui doit euh, publier rapidement, <laughs> bah, il dit rapidement une autre vidéo. Euh, et je vous invite à être attentif, vigilant et d'aller et d'aller la voir. Euh, nous, on va continuer. Euh, cette semaine on a on a un certain nombre de, 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 de choses en préparation euh, je ne les annoncerai que lorsque je serai sûr de, de pouvoir de pouvoir le faire et donc euh, je vous dis par conséquent à très bientôt merci au revoir salut